Bonjour, ça va? Moi, Francis Laplante, comme individu, la société dit que je suis tout le monde. Tout ce que je représente, tout ce que je fais, c'est pas moi qui le fais, c'est la société. Ce qui m'a appartenu dans le passé, ils disent que ça appartient à la société et non à moi. Pour m'en aller en justice, il faut des preuves. Des preuves que cela m'a appartenu. Donc, pour moi, c'est un complot. Je n'ai pas d'avenir dans la société d'aujourd'hui. Car la société s'approprie ma propriété intellectuelle et elle nie que j'ai été cette personne-là. Ils disent que ce sont eux, que tout ce que j'ai fait, là, je l'ai fait pour eux. Et non pour moi. Je suis sur YouTube. YouTube m'aide beaucoup. Je me crée des relations amicales avec des abonnés YouTube, des YouTubers. Je continue à parler, parler de sujets qui sont dérangeants, car les histoires que je raconte, en réalité, il y a des preuves à ces histoires-là. Ce sont mes histoires, les histoires de mon passé. Je ne veux pas vivre dans le passé. Ce qui m'a déjà appartenu porte un nom. Et ce nom-là, ils se sont appropriés ma personne. Ils disent que Francis Laplante, c'est lui. Et non moi. M'en aller en justice, en cour, il faut des preuves. Et ces preuves-là existent. J'ai longtemps été pour Québec. Mais Québec est contre moi.
Il s'approprie ma propriété intellectuelle, mes pensées et tout ce que je suis. J'ai des contacts avec des vedettes, ben, des contacts sur Facebook. J'écris à des vedettes que j'ai connues dans le passé. Alors, ils essaient de dire que ce sont eux les personnes importantes. Moi, je suis un artiste. Je suis pauvre. Mon frère travaille, mais moi je ne travaille pas. Je suis un YouTuber que sur YouTube, j'ai des contacts, que ces contacts-là m'aident m'aident parce qu'ils partagent mes vidéos. Ils écoutent mes vidéos. Alors, ils essaient de dire que les chances que j'ai de retrouver les personnes de mon passé, ce sont à eux les chances. En tout cas, j'ai plus grand chose à dire là. J'ai tout dit. Je suis quand même victime d'un complot. J'ai longtemps été pour Québec. Mais Québec m'a fraudé. Je sais pas quoi faire pour m'en sortir. Je reste un artiste pauvre. Bon, je vous remercie de m'écouter sur YouTube. Merci.